T'as du sourire. Bon, pour l'instant, on est tout seul. Pour l'instant, on est tout seul. Mais on va voir. Ça marche, là. Ah, voilà, il y a Nadège. Coucou, Nadège. Allez, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, là. On vient juste démarrer. Hop, c'est 17h tout pile. Coucou. Allez, on va attendre, on va mettre un peu de musique. Voilà, on a mis un peu de musique, du temps. J'espère que le confinement va bien, que ça se passe bien à la maison, que les enfants ils sont pas trop perturbants, on va dire. Ouais. Pour l'instant, je suis avec Barbara. Allez, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Pour l'instant, on est 3. Hop! Ouais. Du coup, voilà, ça va être une petite séance aujourd'hui à la maison. Hein. On ne peut plus être ni à Infit, ni au club. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le. Voilà, je vous présente un peu la maison quand même. On est dans le salon, voilà, c'est la partie la plus grande au final de la maison, donc c'est là où on aura le plus de place pour pouvoir faire notre circuit, voilà. Donc je sais pas où vous allez le faire vous, si vous le faites dehors, si vous le faites donc dans le jardin ou dans la maison, en espérant que vous le fassiez, hein. Bon, par contre, c'est une première, hein. C'est la première fois que je fais un direct, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Voilà, je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Hop. Allez, on est 3. On va attendre un petit moment de plus. Alors. Voilà, on met un peu de musique, hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire quand même ça, sur le circuit training. Comme ça, vous pourrez prévoir un peu la maison en cas. Il y a Sandra. Coucou Sandra. Bon, j'arrive au bon moment avec 3 minutes de retard. Allez. Allez, du coup, on est 5 pour l'instant. Alors, je vais pas tenir le téléphone comme ça pendant tout le temps. Après, ce sera Barbara qui tiendra. Hein. Et voilà, donc je vais expliquer ce qu'on va faire sur ce circuit training. Salut Yuri Skimo, parfait, bonjour. Tu es sur la télé, parfait, super Sandra. On m'a mis sur la télé comme ça au moins elle verra bien. Alors, allez, je vous montre un peu le circuit. Donc là, on fera en premier un petit. Alors attends, je vais juste tourner la caméra. Hop. Voilà, et c'est Barbara qui sera la caméra woman aujourd'hui. Allez, du coup, alors comment on va préparer la maison pour pouvoir faire le circuit training? Le circuit, ça va être tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec deux chaises. Donc, on va installer les chaises comme ceci. Moi, j'ai mis des coussins pour ne pas abîmer les chaises, d'accord? Hop, alors, un balai, un manche à balai. Alors, résistant, j'ai dit. Donc là, ça va être... On va se passer comme ceci.
Alors ne mettez pas trop loin pour pas justement le casser. J'espère que je ne serai pas responsable de vos balais cassés. J'espère qu'ils ne se casseront pas. Voilà, moi je l'ai testé le mien à 70 kg, ça résiste, donc ça va. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, on fera un petit échauffement avant de commencer. Hein. Là, je vous montre juste le circuit, comment il va se présenter. Voilà. Faire un premier exercice, ça va être des pompes. Ça, c'est le premier atelier. Donc si vous êtes plusieurs, vous pourrez même le faire. Donc vous mettrez chacun sur un atelier. Donc c'est pour ça que je vous explique tous les ateliers individuellement. Et ensuite, chacun se mettra sur son atelier. Et moi, je commencerai, voilà, je suis tout seul à le faire. Barbara, elle est enceinte, elle ne va pas pouvoir le faire. Et puis celle de la caméra woman. Donc voilà. Donc on commence par les pompes, simple. Alors les pompes, il y a trois niveaux. Donc il y a le niveau expert. Hop, je prends le pouf. Ici, on va surélever les pieds. Donc on est en décliné. Ici. Et je vais réaliser mes pompes, comme ceci. D'accord? Ensuite, il y a le niveau. Deuxième niveau. Un peu plus facile, les pompes normales. D'accord? Donc je suis ici. Hop, je vais peut-être enlever le pouf. Pas gênant. Et là, je viens faire la flexion. On touche le sol avec la poitrine et je reviens. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc c'est le niveau intermédiaire, on a envie de dire. Et après, niveau débutant, où ici, quand on est vraiment épuisé, on pourra se mettre sur les genoux et faire flexion, extension. D'accord? Et gardez toujours la tête dans le même prolongement que la colonne vertébrale. Ça sera la seule, j'ai envie de dire, la seule consigne primordiale à vous donner. Moi, je ne vous vois pas, donc j'espère que vous ferez bien les mouvements. Donc, ce sera surtout ça, hein, la tête toujours dans le même prolongement que la colonne vertébrale. Deuxième exercice. Deuxième exercice, on va partir sur, justement, les deux chaises et la barre au milieu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne la mettez pas non plus aux extrémités, cette barre. Vous risquez de casser le balai. Si vous avez une barre de fer qui est un peu plus résistante, moi j'ai ceci par exemple, c'est une chute du meuble là, qu'on a monté il n'y a pas longtemps, vous pouvez le faire. Après, il faudrait que ce soit une barre un peu plus large quand même, hein, un peu plus grande, un peu plus longue. Donc ici, je vais me placer sous la barre. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Hein. Hop, je vais me mettre sous la barre. Alors, moi, tu peux me mettre devant. Je vérifie. Hop, au niveau des extrémités, c'est bon. La barre, elle va tenir. Je viens saisir la barre en pronation. Alors, pronation, c'est comme si je prenais quelque chose. D'accord, on va avoir hein, pronation, neutre et supination. Donc là, c'est pronation. Je viens prendre la barre ici et je viens faire la flexion. Je pose les épaules et je repars. D'accord? Le but du jeu, ça va être vraiment de resserrer les omoplates entre elles. D'accord? Donc ici, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ça, c'est le niveau supérieur. Deuxième niveau, je suis en position assise ici. Et là, je vais faire la flexion juste ici. D'accord? Donc là, on monte jusqu'à la poitrine. Donc là, ça va être un peu plus compliqué d'arriver au milieu de la poitrine, ça sera au-dessus de la poitrine. Mais pour l'exercice tout à l'heure, hop, j'ai déjà le bassin déjà relevé et je viens toucher la poitrine. Sur le deuxième niveau, je viens toucher au niveau des clavicules. D'accord? On regarde le ciel. D'accord? Ok? Ça sera le deuxième exercice. Troisième exercice. Je vous avais dit qu'on avait besoin d'un mur. Donc le mur, on a tous ça chez soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, hier dans la vidéo. Donc je me place contre le mur et je viens, ça va être un exercice de jambes. On va travailler surtout au niveau des quadriceps. Et là, voilà. Je ne vous dis pas le temps qu'on va tenir comme ceci. Donc soit vous décidez de poser les mains sur les jambes. Par contre, ne trichez pas, mais pas ici. Soit le long du corps, si vous sentez que vous allez tricher. Moi je suis en train de glisser un petit peu, ça va être compliqué pour moi, mais c'est pas grave. Il y a Yoris Kimo qui est le père de scène qui demande si on peut utiliser des TRX à la place. Alors si vous avez des TRX, oui. Et d'ailleurs je pense qu'on fera une vidéo en direct avec des TRX la prochaine fois. Mais je sais pas qui c'est qui en a. C'est pas tout le monde qui a des TRX. Donc là pour l'instant, on le fait comme ceci. Mais si tu as des TRX, ouais, tu peux le faire avec le TRX. Okay. Ensuite, donc, ça c'était le troisième mouvement. Le troisième mouvement, c'est la chaise. Voilà. Comme dirait Greg, on fait le sans chaise. D'accord. Alors ça, on va se mettre ensuite sur le quatrième exercice, sur le dos. Donc toujours un exercice de jambes. Ici, jambes, alors on va dire fessiers et ischio. Je viens poser les bras de part et d'autre. Et là ici, je viens faire l'extension de hanche. D'accord?
Donc ça, c'est le niveau le plus facile. Hein. Ici, il y a à chaque fois deux niveaux. Deux à trois niveaux. D'accord. Et deuxième niveau, je vous dirai, donc on changera toutes les moitiés du temps, d'accord. Sur une jambe, d'accord. Je fais l'extension de hanche sur une jambe, ok. On a la tête qui est collée au sol, hein, d'accord. Elle se décolle pas. On reste ici. Et ensuite, on changera au milieu du temps. Et on viendra faire l'extension, flexion, extension de jambe, de hanche, ok. Sandra, elle essaye d'aider les autres à se connecter. Ah, ok. Il faut qu'ils aillent sur la page Facebook, hein, Nkinelli Coaching. Voilà. Alors, ensuite, ça va ? Mmh ? Ouais. Alors là, on était au quatrième exercice. Cinquième exercice, c'est un exercice de triceps. Donc là, je vais le faire au niveau de la chaise. Comme ça sera plus simple pour expliquer au départ. On a une chaise ici. Hop. Premier niveau, je suis ici, je fais la flexion, extension. J'inspire dans la flexion, extension, je souffle. D'accord ? Deuxième niveau, je viens positionner soit une chaise, soit un pouf, voilà ce que vous avez à portée de main. D'accord ? Et je viens poser mes jambes, mes pieds sur ce pouf. Et là, je fais flexion, extension. Flexion, extension. D'accord ? Alors, moi, perso, je le ferai sur un autre support parce que ça sera plus pratique, c'est moins dangereux de le faire comme ça. Si vous avez la chaise, le mieux c'est que vous la mettiez contre un mur, d'accord. Ça vous permettra de ne pas reculer avec la chaise et de vous casser la figure, d'accord. Donc là, par exemple, c'est un support qui ne bouge pas, c'est parfait. Le pouf, c'est le seul truc qui peut bouger et là, ça ne bougera pas. Si je pose mes talons, hop, et ça sera pareil ici, d'accord. J'inspire, je souffle. Ok, ne descendez pas trop bas, ça peut être problématique au niveau des articulations. Donc l'articulation de l'épaule, elle est assez fragile, donc il faut faire attention à ça. Ça c'était le cinquième exercice. Sixième exercice, on va revenir au niveau de la barre. Et on va rapprocher les deux chaises, d'accord. Donc là, on rapproche les deux chaises, on passe sous la barre, ici. On vient toujours aux extrémités, si vous venez au milieu, vous risquez de casser la barre. Hein. Donc n'allez pas au milieu, ça travaille aussi bien ici. D'accord. Je relève le bassin et je viens faire la flexion des bras. D'accord. Là, on va travailler un peu plus sur le biceps que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était essentiellement sur les dorsaux, les rhomboïdes, trapèzes moyens. Là, on va travailler plus sur le biceps. Alors même si le dos, on ne va pas arriver à isoler complètement le biceps, mais là, on va travailler. Voilà, on va travailler un petit peu de tout. Et là, on est essentiellement quand même sur le biceps. Donc là, je fais vraiment la flexion de bras. Hop. Ici, jusqu'au contact avec la poitrine. Pareil, deuxième niveau, je suis ici et je suis assis, d'accord. Et je viens faire la flexion et relever juste le buste, d'accord. Voilà, voilà pour le cinquième. Sixième. C'était le sixième exercice. Septième exercice. Donc, on va travailler en gainage, d'accord. Gainage coude de face. Donc, je suis ici et je maintiens. Alors, pour réaliser correctement cet exercice, pensez à faire la rétroversion du bassin. Donc, ça c'est antéversion, rétroversion. Rétroversion, je mets le bassin vers l'arrière. Pour ça, là, je vais serrer les fesses. Et comme ça, au moins, je protège mon dos. D'accord. Le bas du dos, il est protégé. Je suis ici sur les coudes. Et je viens serrer les fesses pour avoir le bassin dans la bonne position. Pareil au niveau de la colonne vertébrale. Attention de ne pas garder la tête droite ici. Sinon, la tête n'est plus dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va rester droit ici. Non, pas de menton non plus collé contre la poitrine. On reste ici. D'accord. Voilà pour les 7 ateliers. Et alors, si vous êtes plusieurs, eh bien, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez vous mettre chacun sur un atelier et tourner. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas 7 confinés à la maison. Mais voilà, vous pourrez, si vous êtes 2, 3, de toute façon, si vous êtes 2 à 3, bon, il n'y aura pas de soucis. Vous mettez par exemple un sur les pompes, le deuxième sur le deuxième atelier, donc l'atelier de tirage sous la barre, et le troisième par exemple sur la chaise. Chaise contre le mur. Ok. Bon, ça va? On est combien là? Vous êtes 7. On est 7, très bien. Voilà, bon, on va peut-être démarrer. Alors on va démarrer déjà dans un premier temps pour un échauffement. Ensuite, 8. Ah, 8, parfait.
On démarrera dans un premier temps par un échauffement. Ensuite, on partira sur des exercices un peu plus ciblés sur les abdominaux. Et après, on pourra commencer à faire le circuit. Donc, je vous laisse encore 5 petites minutes. Allez, 2 minutes. 2 minutes pour installer tout le matériel. Et on démarrera. D'accord ? Bon, je vais boire un petit coup entre temps. Et je suis à vous. Dans 2 minutes, on démarre. S'il y en a qui ne me connaissent pas, ben voilà, je m'appelle Nicolas Pinelli. Je suis entraîneur de taekwondo et coach sportif. Donc je suis double diplômé d'État, hein, un diplôme en DEGEPS en taekwondo et un BPGEPS AG2F, donc activité gymnique de la forme et de la force, pour le coaching personnalisé, pour le coaching sur plateau de musculation. Il y en a qui me retrouveront certainement à InFit, voilà. D'autres, ben voilà, je propose ça aussi pour mes coachings qui sont confinés aussi à la maison. Et voilà, donc c'est pas un moment facile. Alors il y a plus difficile que ça, mais voilà, je pense que c'est important de faire des activités encore à la maison. Et on a du matériel pour ça, pour travailler là-dessus. Donc on peut faire des choses à la maison, il n'y a pas de souci pour ça. Sandra, ouais. Qui dit, explique juste comment se connecter au live, s'il te plaît. Comment se connecter au live? Alors, ben, vous allez tout simplement faut tout simplement aller sur la page Npinelli Coaching. Et normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez être connecté. Après, c'est vrai que c'est étonnant si on est 7. 10 maintenant. 10, ok. Alors, peut-être que ça serait mieux d'aller sur mon profil Facebook, non? Non, c'est, non. Tu vas voilà, directement on reste, sur la page. Voilà, on reste là-dessus. C'est pas grave. Ok. Et normalement... Est-ce que vous êtes prêts pour l'échauffement? Est-ce qu'on peut commencer? Allez, j'attends vos retours. J'arrive. Je suis prête. Tu es prête? Qui c'est qui est prête? Chloé, parfait. Ça va, Chloé? Alors attends, je vais me remettre là. Hop. Allez. Coucou, c'est Timéo et Noah. Bonne séance, parfait. Allez. Chloé est prête, nickel, super. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est Barbara qui va filmer. Et si vous êtes prêts, ben moi je suis prêt aussi. Allez, on va démarrer. Hop. Allez, on démarre par un petit échauffement tranquille. D'accord. Allez, on va monter un peu le son. Hop. Allez, c'est parti, go. Allez, jumping jack, tout simplement. Allez. Alors, s'il y a des voisins dessous comme vous, il faut les prévenir. Alors, ça va pas être très long, hein, l'échauffement. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, montez de genoux, tranquillement. T'as Simao qui est prêt. Ah, parfait. Ça va, Simao? Allez, même les enfants, ils peuvent le faire, bien sûr. Ça va de 3 à 77 ans. Bon, même plus, allez. Allez, on va monter juste une jambe. Travaille un peu la coordination. Allez, que la trois jambes, maintenant. Ok, ici, talons fesses. Je mets saut de profil pour que vous voyez. Et je reviens trace. Allez, on repart plus rapide, jumping jack. Allez, go, c'est parti. Il t'a dit que ça allait bien, Simao. Ah, parfait. Allez, remontez de genoux, un peu plus rapide que tout à l'heure. Et Julian est à fond. Ok, ah, parfait. Allez, on repart sur talons fesses. Allez, et ici, juste la droite. Et puis que la gauche. Allez, ok, très bien. Allez, on va faire un petit échauffement articulaire. Le cou, comme si on disait oui. C'est pas si marrant.
de gauche à droite, comme si on faisait non. Allez, épaule, épaule ici. Très bien, les bras vers l'avant. On se respire un peu, je suis désolé. C'est ça le sport. Hein. Allez, vers l'arrière. Ok, ici. On fléchit comme si on faisait un squat. C'est un squat d'ailleurs. Et on monte sur la demi-pointe de pied. Bam. 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 Ok. Allez. Ici. Allez. 1, 2, 3, 4. On change. 1, 2, 3, 4. Musique, ça y est. Allez, ici. On passe. Et on change. Allez, j'espère que tous ceux qui sont connectés, vous faites la séance avec moi. Hein. Allez. Allez, mains sur les genoux ici, on écarte en ça. Allez, on change de sens. Allez, on serre les jambes. Ici, on descend sur les fesses sur les talons. Et on remonte. Pareil, on essaie de garder l'équilibre. Et on remonte. Allez, c'est parti. On va étirer un petit peu, légèrement, le quadriceps. Allez, on change. Allez. Allez, ici, on écarte un peu plus les jambes. Et on descend. En fléchissant la jambe droite. Allez, on revient. Chloé Gara, elle est à fond. Ça ? Chloé Gara est à fond. Ah, parfait. Et on change à nouveau. Et à nouveau. Et à nouveau. Ok. Les deux pieds parallèles. Avec la main droite, on vient toucher le pied gauche. Et on change. Une à l'autre. Ok, attention. On se positionne sur la jambe droite. Allez, on va démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous étiez tous présents. Donc, le circuit se présente de pompes, d'accord. Donc, trois niveaux de pompes. Premier niveau, c'est le niveau le plus compliqué. On est sur un pouf. Recule, Nico. On va bien faire flexion, extension. Ensuite, pompe normale, ça c'est le deuxième niveau. Ok. Troisième niveau, ici. C'est plus facile, d'accord, sur les genoux. Deuxième exercice, donc je repars toujours là-dessus, on va essayer d'aller plus vite tout à l'heure. Hop, on a la barre qui est déjà installée. Hop, ici, très bien, je relève le bassin et je fais la flexion, d'accord. Je pose les épaules et je repars. On pose les épaules et on repart, ok. Donc ça, c'est le deuxième exercice, pardon. Troisième exercice. Hop, on se place en chaise. Sans chaise, bien sûr. D'accord, les mains soit sur les genoux, soit le long du corps. Ok, donc ça c'est le troisième exercice. Quatrième exercice. Donc si vous êtes plusieurs, vous faites un par atelier. Comme ça, il y a tout le monde qui peut travailler en même temps. Et ça c'est parfait. D'accord, c'est le but du circuit training. Hein. Sinon, on ne pourrait pas faire les exercices correctement. Allez, ici, pareil. Donc ça, c'est le quatrième exercice. Ici, je relève juste le bassin. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, hop. C'est avec une seule jambe, d'accord. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et au milieu du temps, on changera. Et on viendra relever l'autre partie du bassin. Donc, cinquième exercice, cette fois-ci. Exercice de triceps. Hop, tu sois à ta place. Donc, triceps.
On avait dit qu'il y avait deux niveaux. Premier niveau, je viens ici, je vais faire la flexion et l'extension de bras. D'accord. Deuxième niveau, je pose mes pieds sur un support et je descends, je remonte. Ok. Ça, c'est le niveau un peu plus compliqué, le deuxième niveau. Ok. Ensuite, 6e exercice. Alors, 6e exercice, on revient. On vient ramener un peu plus les chaises entre elles. Attention de ne pas saisir le milieu. On vient saisir l'extrémité quand même. Et on va travailler un peu plus les biceps ici. Tout à l'heure, on était sur triceps. Maintenant, c'est biceps. D'accord ? Je descends, hop, je remonte. Ok ? À peu près une seconde la descente, une seconde la montée. Là, on est en supination. Contrairement à tout à l'heure, on était en pronation. Supination, on pense à supplier. Je supplie, supination. Tac. Et je viens faire travailler un peu plus les biceps sur cet exercice-là. 7e exercice, exercice de gainage. Alors pareil, j'ai pas expliqué tout à l'heure, il y a deux niveaux. Premier niveau, niveau le plus compliqué, ici. Deuxième niveau, si c'est trop difficile, ici sur les genoux. D'accord. Pensez à être bien droit, serrer les fesses pour garder le bassin dans la bonne posture et tout tirer à l'avant. Donc ça c'est le 7e exercice, là on aura réalisé un tour complet. Alors vu qu'il n'y a pas grand monde, enfin, je ne sais pas si vous êtes... je ne sais pas qui est connecté ou pas connecté. On va travailler en premier sur 30 secondes d'effort, d'accord. Il n'y aura pas pour compte de récup, hein. 30 secondes d'effort et on va faire les ateliers, on va faire un premier tour. On va voir comment ça se passe, on ira boire un petit coup à la fin du premier tour et on enchaînera un deuxième et un troisième, d'accord. Et à la fin, alors je vous avais dit qu'on allait faire des abdos, on le fera à la fin finalement, d'accord. Allez, vous préparez sur un atelier. Allez, on monte un peu le son du coup. Allez, je vais le faire avec vous. Hop, je démarre sur le support. Peut-être qu'après je finirai pas sur le support, hein. C'est un peu compliqué. Tu veux que je vous mette un peu plus loin? Ouais. Alors, 30 secondes, hein. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti, go. Alors, une seconde d'effort sur la descente et une seconde sur la montée. Ok, 30 secondes et on tourne. Allez, on va passer sur l'exercice sous la barre. Donc en pronation, je saisis la barre où je vois le dos de ma main. Ça écarte un peu plus les chaises. Hop. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti, go. Pensez à bien respirer. On regarde le ciel, un couteau de plafond. Ouais, j'ai bien mis le chrono. Hop, ouais. Allez, encore 4 secondes. Ok. Et on change. Allez, on va passer sur l'atelier. Je redoute un peu pour les genoux, mais c'est pas grave, je fais quand même un tour. 30 secondes, en chaise, 3, 2, 1, c'est parti, donc là 90 degrés. Deuxième niveau, je suis un peu plus haut, d'accord. Allez, on a le dos qui est bien claqué contre le support, contre le mur. Allez, 10 secondes encore. Allez, plus que 3, 2, 1, et on change. Allez, prochain atelier. Toujours au niveau des jambes, là on était plus sur le quadri. Là on va être plus sur les fessiers et les ischios. Allez, pareil, donc là on va faire 15 secondes, une jambe, 15 secondes l'autre. Et pour les autres, ceux qui ont du mal,
on le fait directement, d'accord? Avec les deux jambes collées au sol. 3, 2, 1, je change de musique avant. Ouais. Top, c'est parti! Allez, go! Au revoir. Ok, on change. Pour ceux qui doivent changer, bien sûr. Allez, 3, 2, 1, on change. Et on part sur l'exercice de triceps, les dips. Allez, vous me dites si vous avez du temps pour... si vous avez le temps pour pouvoir vous replacer. Moi, je vais un petit peu vite peut-être, je sais pas. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, go. Donc, une seconde la descente, une seconde la montée. Les coudes vers l'intérieur, pas vers l'extérieur par contre. Et vous travaillez bien le triceps. Pensez à bien souffler sur la montée. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Ok, ça fait 30 secondes. Allez, pas mal. Cette fois-ci, biceps. Donc. Je dirais quand même que c'est assez complet. On essaie de travailler agoniste-antagoniste. Allez, je vais arrêter de parler, sinon on ne va pas travailler. Donc là, on va un peu des chaises entre elles. La on barre. Va saisir en supination. Supination, pas pronation. Supination comme si je suppliais. Et je saisis la barre comme ceci. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, 30 secondes. Bon, ça va? Donc là, la réalité, ok, là c'est bon. On va partir sur le gainage. Donc on est au 7e exercice. Gainage sur coude. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, pensez à la rétroversion de votre bassin. La tête. Ni vers l'intérieur, ni vers le haut. On est vraiment en plein milieu. De façon à garder la tête en même prolongement que la colonne vertébrale. On serre les abdos, on pense à bien respirer. Et on garde les fesses bien serrées. Ah, ok. Ben, on a fait un tour. Ça va? Il y a des pouces bleus qui... Ah, parfait. Qui arrive, donc c'est bon. Donc voilà, on va prendre une petite 30 secondes de récup. On va avoir un peu d'eau, c'est important. D'accord, faut s'hydrater. Allez, après on va repartir sur le deuxième tour. T'as eu 3, 4 pouces bleus. Allez. 5. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour vous remettre en place. Et on va partir sur les pompes. Hop. Mets-toi plus loin. Je vais me mettre plus loin cette fois-ci. Allez, en place. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Go. Okay.
pas. On passe directement sur le deuxième atelier. Hop. Donc là, on est en pronation, je vous rappelle. Vous pouvez garder un peu plus les chaises. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, go. Alors, on relève un peu le bassin. Ça va, les barres, elles ont résisté pour l'instant? J'espère, hein. Sinon, vous ne pouvez plus passer par l'air. Ok. Allez, troisième atelier. On passe sur la chaise. Allez, en place. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le dos il est plaqué contre le mur, la tête également. On a 90 degrés. Au niveau des genoux. Et pareil également au niveau bassin fémur. Enfin, tronc et fémur. Allez, les pieds parallèles. Encore 5 secondes. Plutôt 3, 2, 1. On change. Un, deux, trois, quatre. Quatrième atelier. Hop. On se met sur le côté. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Bon. Donc, relevé de bassin, pardon. Sandra qui dit ça tremble. Ça tremble, c'est normal. Comment elle arrive à écrire en même temps? C'est pas possible. Allez, on change. Elle dit il y en avait besoin. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là. Allez, encore 3 secondes, 2, 1, on change. Allez, on part sur les triceps, les dips. Donc pareil, là, par contre, si vous commencez un peu à trembler, partez sur la solution la plus simple. Hein. Cassez pas trop la tête. Donc là, ici, pour la solution la plus simple et la solution la plus compliquée, sur un support. 3, 2, 1, c'est parti, go! Allez, on souffle sur la montée. Vous verrez que les fesses sont à proximité de l'endroit où je descends. Il faut presque effleurer la chaise. Biceps, donc supination, attention, pronation, supination. On va resserrer un petit peu plus les chaises. Hop, la barre au milieu. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, et on vient coller jusqu'à la poitrine.
Allez, là, c'est la partie la plus facile pour l'instant, le gainage. Allez, encore 2 secondes, 1 et 0. Très bien. Ça va? Ça transpire un peu là. Si vous allez sur un plus vieux, un petit coup, mais très rapide, on va partir dans moins de 30 secondes. Alors, pour ça, on relance au bout du taekwondo. On n'a pas le temps de voir. On voit au milieu et à la fin, mais on ne voit pas pendant le circuit. Il y a eu une semaine sans rien faire. Nadège est mi-gem, Sandra elle est mi-gem. Bon, c'est important. Voilà, si vous avez aimé, de toute façon, on en fera d'autres, hein, en espérant que le confinement il se termine à la fin de la semaine. Et ça m'étonnerait. Donc, si c'est pas le cas, on refera des vidéos et on continuera comme ça. Ok? Allez, troisième tour. Hop! Allez, en place. Allez, je vais mettre un peu plus loin. Comme ça, on voit bien. Allez, 3, 2, 1. Juste pour savoir. 30 secondes, c'est pas suffisant. On peut faire 45 si vous voulez. Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez refaire 30 secondes ou 45 secondes. 45 secondes sur tous les ateliers. Pour le moment, pas de réponse. Pas de réponse ? Pas de réponse égale 45 secondes. Hein. Voilà. Allez, en place. On est prêt pour 45 secondes sur chaque atelier. C'est le dernier tour. Après, on partira sur des abdos. Ce sera un peu plus tranquille. Quoique, on verra. Allez, en place. Sandra, elle a dit non. 4. C'est trop tard, c'est trop tard. 2, 1, le compte à rebours est parti. Top, c'est parti, cours, 45 secondes. Donc si c'est trop dur, au bout d'un moment, on part sur la solution la plus simple. Nadège, elle a dit 45. Parfait, Nadège, j'en suis sûr. Hop. Dès qu'on arrive au milieu, ça devient un peu plus compliqué. Ok. Allez, on part sur le prochain atelier. 45 secondes, ça commence à piquer. Donc en pronation. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, go! Et là, j'arrive plus à vous parler, c'est que ça commence à travailler. 45 secondes, la chaise, c'est vraiment mon point faible. Hein. Allez, on va s'y mettre, ça glisse un peu en plus. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti, go! C'est vrai qu'il y a du bon son qui arrive. Allez, on est bien collé. La tête, les fesses contre le mur. Le dos, la tête, tout. Allez, encore 15 secondes, on maintient. Ça glisse. Allez, 5 secondes. Allez, plus que 4, 3, 2, 1, on change. Allez.
Partion suivante, fessier, ischio. Donc là, on va faire 22 secondes et demi. 22, 23 secondes sur une jambe et 22 secondes, 23 secondes sur l'autre. Allez, en place. 3, 2, 1, c'est parti. Et si c'est trop compliqué, on reste sur les deux jambes. On monte bien le bassin vers le haut. Ok, on change. Donc pareil. Avec la gauche ou la droite si vous avez fait l'autre jambe. Allez, encore 5 secondes, même pas. 3, 2, 1 et on change. Allez. Triceps, donc n'hésitez pas à passer sur la solution la plus facile. Hein ? Il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez commencer par la plus compliquée et après par la plus simple. Finir sur la plus simple. Allez, en place. 3, 2, 1, c'est parti, go ! Allez, pensez à bien souffler. Ok. Allez, on change. Biceps. Je vous rappelle, je vais trop lourd avec ça. Supination. Hop. On resserre les chaises. Allez, il maintient le côté. Au niveau des extrémités. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, encore 5 secondes, allez, 3, 2, 1, et on relâche, wouh, super, allez, on maintient, et c'est pareil pour le gainage, 45 secondes, ça va aller, on peut même aller jusqu'à 1 minute, à part si vous avez été sur plusieurs ateliers. Sandra qui a écrit en cours de RIP. Allez. 3, 2, 1, c'est parti, go! On regarde bien le bassin vers le bas. On protège bien la colonne vertébrale. Pensez à respirer. Serrez bien le ventre. La tête dans le même prolongement que la colonne vertébrale. Et on retient. Allez, il reste que 10 secondes. On va rajouter un peu quand même. Hein. Julien Yeredzian vient de. Ah, salut Julien. Eh, t'es en retard, Julien, là. Hein. Tirez les oreilles, là. Allez, normalement, c'est terminé. On maintient encore. Allez. Allez, allez, allez. Ok. Très bien. Ça va ? Je peux vous dire. Donc, vous voyez, si vous avez bien travaillé, vous devriez transpirer. C'est ce qui m'arrive.
Surtout à l'intérieur comme ça, on est dans des espaces clos, ça transpire plus vite. C'est normal. Donc en premier, on va y voir la partie abdos maintenant. Là Julien, tu viens d'arriver, on a fait le circuit training. Donc là tu pourras le revisualiser, parce qu'on le mettra sur la page Facebook, donc Npinelli Coaching. Je pense que je le mettrai aussi sur YouTube. Donc tu pourras revisualiser un petit peu tout le circuit. Et là, on va travailler un peu plus abdominaux. Donc, c'est ce que je voulais faire entre l'échauffement et le circuit. Maintenant, on va le faire plus. On va le faire après. D'accord? C'est pas grave. Hein. On peut le mettre soit en début, soit à la fin, les abdos. Allez, en place. On va changer de musique. Hop. Je sais pas si. Bon, on verra. On verra ce qu'il y a. Hop. Allez, du coup, les abdos, on va faire un petit circuit tranquille, parce que là on va finir. Et on va juste faire des relevés de buste pour l'instant, d'accord? Donc relevés de buste, je viens juste toucher les genoux, d'accord? Si vous voulez mettre un support pour éviter de vous faire mal au dos, vous pouvez. Normalement, vous ne devrez pas vous faire mal, pourquoi? Parce qu'on amortit le choc à chaque fois. C'est pas je viens m'éclater contre le sol. C'est je viens, je touche, j'amortis la descente et je reviens. D'accord? Donc c'est tout un travail concentrique et excentrique. D'accord? Donc surtout pas oublier la phase excentrique. C'est ce qu'on travaille le plus. C'est là où on travaille le mieux. Donc ça, ce sera la première partie. D'accord? Mal. Deuxième partie, on partira sur les obliques. Obliques, on va relever une jambe et je viens toucher, poser. Toucher, poser. D'accord? Donc je lève ma jambe en haut et je viens toucher, ou du moins aller vers l'extérieur de la cheville. Extérieur de la cheville directement, je pose la jambe, le pied contre le genou opposé, et là je viens toucher coude-genou. D'accord? Ne vous trompez pas de côté, hein. C'est vraiment le coude opposé au genou. Ok? Et à chaque fois je monte, je descends. Je monte, je descends. Ok? On fera pareil ensuite, hop, de l'autre côté, deux. D'accord? Et on finira sur l'exercice, on va dire. Ouais, le pingouin. Voilà. Pingouin, hop. Je vais toucher d'un côté et puis l'autre. D'accord? En gardant le buste relevé, une contraction au niveau des abdos. Et là, je vais toucher. Ok, sur les côtés. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, dites-moi si vous êtes prêts ou pas. Julien, il vient d'arriver, donc je sais pas s'il est prêt, mais tu peux faire au moins les abdos. Ça va? Pas de réponse, ils sont prêts. Pas de réponse, c'est pas grave, on démarre. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, go. Allez. Anadège, elle a mis un pouce, ça veut dire 4, qu'elle est prête. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sandra, 1, pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. On monte la jambe gauche et on est touché avec la main droite. 1, je pose et je touche avec le coude. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, ok, pareil sur l'autre jambe, hop, c'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, très bien. Ici, le pingouin, on vient toucher les talons. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore. Ça va? Allez, on va respirer une petite minute. Donc là, quand vous faites des abdos, pensez. Il y a Barbara qui vient de se connecter. Ah. Hein, Thomas?
Thomas, t'es en retard aussi, hein? C'est 17h, pas 17h, pas 18h. Alors, on va partir cette fois-ci sur pareil, même exercice. Par contre, ce que je veux voir, c'est les ventres rentrés. D'accord, on a la ventre bien serrée, on sort pas le bide, au contraire, on vient de rentrer. Pensez à souffler à chaque fois que vous faites une contraction. Donc, par exemple, je suis sur le dos, le premier exercice ici. Je souffle et je rentre le ventre en même temps. Et c'est pareil même sur les obliques. Les obliques, vous venez travailler, souffler et rentrer le ventre à chaque fois. D'accord? Ça vous permettra de travailler aussi le transverse, en plus du grand droit et des obliques. Ok? Allez, la minute a dépassé de récup. On va refaire un deuxième tour. Vous êtes prêts? Allez, en place. 3, 2, 1. Je sais pas pourquoi je regarde ma montre. Top, c'est parti, go! Allez, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. On lève la jambe. Allez, directement. 1, et on passe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on vient toucher l'extérieur. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, on change la musique, je crois qu'elle n'est plus là. Et pareil, l'autre jambe, directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on souffle. 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ok, pareil ici. L'essuie-glace, enfin non, c'est pas vraiment l'essuie-glace, mais le plégo, on va l'appeler comme ça. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 9, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 0. Vous pouvez respirer. Ça va? Allez, on va baisser un peu le champ. Ok. Alors, je vais vous montrer quelques petits étirements. On va pas les faire de suite, vous les ferez demain, tranquillement. Je pense que vous aurez le temps de le faire, si vous êtes confinés, on a tous le temps. Bon, il y en a certains qui travaillent, hein, n'est-ce pas Thomas? Qui viennent à 18h, mais même s'ils avaient une réunion qui a été annulée, ils sont pas venus, c'est pas grave. Alors, du coup, on va faire quelques étirements, je vais vous montrer les étirements, et vous les reproduirez demain, d'accord? Donc là, on va pas trop étirer, parce qu'il faut pas étirer après une séance de musculation. Normalement, c'est... Allez, il y en a qui disent 1h, mais tu peux faire 24 heures après. Au moins les fibres, elles ont le temps de se remettre un peu. Et voilà, on vient étirer un peu tout ça pour remettre les fibres dans la bonne place. Alors, on a travaillé un petit peu tout. On a travaillé les pectoraux, on a travaillé les dorsaux, les rhomboïdes, les trapèzes moyens, biceps, triceps. On a travaillé aussi les quadris, les fessiers, les ischios. On a fait un travail assez global. Le seul truc qu'on n'a pas trop travaillé, c'est le deltoïde moyen. Deltoïde moyen et les mollets. Ça, on n'a pas trop travaillé non plus les mollets. Ça sera certainement dans la prochaine vidéo qu'on fera. Donc voilà. Donc là, c'est pas utile d'étirer ni les mollets, ni les... Bon, les épaules, c'est un peu compliqué pour les étirer. Bon, on va faire un petit exercice comme ça, mais c'est pas grave. Donc ici, avec moi, voilà. On va commencer par les pectoraux. Pectoraux, c'est le premier exercice qu'on a fait. Donc demain, vous commencerez par celui-là. Je viens poser la paume de la main contre le mur et je viens essayer de chercher l'étirement ici. Et là, on va sentir un étirement. Vous pouvez essayer de le faire rapidement sur un bras, d'accord? Voilà, ici. Par là et après, ce sera pareil de l'autre côté. Tac. Je viens chercher au maximum l'étirement et vous allez sentir votre pec s'étirer. Ensuite, le dos. Comment étirer le dos? Alors, je sais pas. Alors, moi, j'ai un escalier par exemple ici. Je vais prendre un rebord sur le côté, Barbara. Donc ici,
je viens positionner mes pieds le plus proche possible du rebord. Si vous avez, je sais pas, dehors un lampadaire pas très loin de chez vous, vous allez voir le lampadaire et vous faites cet exercice là. On vient bien s'arrondir et là on va étirer tous les muscles qu'on a travaillés sur le tirage qu'on a effectué en pronation, même un peu en supination, d'accord. Donc là, je viens étirer au maximum en arrondissant le dos et les trapèzes moyens et rhomboïdes vont bien s'étirer là-dessus aussi. Allez, il y en a qui vont avoir des douleurs un peu aux avant-bras quand on a travaillé plus pour les biceps. Là, vous pouvez étirer comme ceci, ça va étirer en partie les muscles des avant-bras et également un peu le biceps, d'accord. Donc là, vous pourrez essayer, on vient étirer les doigts, hop, au maximum, pareil de l'autre côté, d'accord. Le triceps. Donc triceps, on a travaillé ici sur les dips. Je viens saisir mon coude ici et tirer au maximum derrière. Et là, on va sentir l'étirement ici. Alors là, vous n'allez peut-être pas le ressentir parce qu'on vient de l'effectuer, mais c'est un bon exercice pour étirer le triceps, d'accord. Ça, vous le sentirez plus demain. Pareil ici. Voilà, vous voyez certainement les auréoles, ouais, j'ai bien travaillé. Voilà pour les triceps. Ensuite, les quadris. Quadris, facile. Je viens ici et je viens essayer de sentir l'étirement. Si je sens rien, je viens essayer de faire tourner le bassin vers l'arrière. On a dit que c'était la rétroversion du bassin. Donc je viens tourner le bassin vers l'arrière et garder cet étirement-là. Et là, à partir de là, vous allez le ressentir. D'accord. Donc gauche, pareil, la droite, pareil. Et je viens essayer de tourner le bassin de l'autre côté. Ok. Pour les ischios, alors ischio, adducteur, ça va travailler un petit peu les deux. Vous pouvez écarter un peu les jambes, hop, je descends ici, d'accord. Ça va travailler aussi, ça va effectuer un étirement aussi un peu au niveau du fessier. Pareil de l'autre côté, vous pouvez le faire aussi sur place, tac, je viens saisir la pointe des pieds, voire essayer d'aller même un peu plus bas. Vous pouvez effectuer, donc, un peu comme au taekwondo ce qu'on fait, des étirements, on va écarter les jambes, se positionner sur le côté, sur une jambe, ensuite sur l'autre, au milieu aussi, on va travailler. Là, on va étirer bien les adducteurs, par contre, même si on ne les a pas travaillés, ça ne fera pas de mal non plus de le refaire, surtout pour ceux qui font du taekwondo avec moi. Hein. Donc voilà, ceux qui sont au taekwondo avant, ouais, Chirin, Skoublevic, partout, voilà, là où on est, étirez-vous bien, parce que quand on va reprendre, ça va vous faire bizarre. Étirement au niveau des ischios, pareil, je viens saisir la pointe des pieds ici, d'accord. Pour relever même les talons, d'accord. Pour ceux qui arrivent à saisir la pointe des pieds. Ceux qui n'y arrivent pas, je viens attraper le survêtement et je tire, d'accord. Ou les tibias, d'accord, si vous êtes en short. Voilà. Donc ça, c'est pour les étirements au niveau des ischios. Au niveau du fessier. Fessier, je viens attraper la jambe, je croise, d'accord. Je viens, avec le bras opposé, attraper la jambe, le genou, et je viens le monter au niveau du menton. Attention, c'est pas le menton qui vient, c'est le genou qui vient au menton. Et là, on vient tirer. Et là, vous allez ressentir un étirement sur, au niveau du fessier. Donc pareil, la droite et la gauche. Même chose de l'autre côté. Ok. Voilà pour ces étirements-là. Je vous conseille de les faire demain. J'espère que vous avez passé une bonne séance avec nous. Voilà. Si ça vous a plu, ben, faites le savoir dans les commentaires et on refera une séance très prochainement, soit vendredi, soit samedi. Et si le confinement il perdure, ben on repartira sur d'autres séances la semaine prochaine. La semaine dernière, je suis désolé, on n'a pas pu le faire. On était en travaux un peu à la maison. On en a profité pour faire les travaux, pour faire la chambre du bébé, puisqu'on attend un bébé quand même avec Barbara. Donc voilà, je serai présent en tout cas la semaine prochaine si le confinement est perdu. D'accord. Donc j'espère que... Le papa de CN dit pour info, le confinement c'est jusqu'au 24 avril pour le moment. 24 avril. Et voilà. Sandra qui dit très bien et on te dit top, merci. Ah ben, c'est ça fait du bien, Nadège. Et puis il y en a qui sont partis pendant les étirements. Ah, il y en a qui sont partis pendant les étirements. Allez, voilà. Alors. Et félicitations. Donc voilà. Si... De la part d'Emmanuel. Merci beaucoup. Si voilà, du coup, si ça perdure, on refera des séances. On en fera certainement aussi pour les enfants qui sont inscrits au taekwondo, d'accord. Donc voilà, je vous enverrai un petit SMS. On parlera aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, ce sera plus un entraînement de taekwondo et on refera des entraînements de remise en forme un peu plus pour les adultes. Ok. Voilà.
J'espère que tout va bien. J'espère que vous avez on pas te dit merci. Simao a bien transpiré au ouais. top. Parfait. Merci. Eh ben super. Donc, ben je vous dis à très bientôt. Bon confinement. Restez bien chez vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Restez chez vous. D'accord. Allez, gros bisous à tout le monde. De rien, Nadège. C'était avec plaisir. Et merci à la caméra. Écoutez, à la prochaine. Bisous, Nadège. Bisous à toute la famille. Bisous à tout le monde. Et prenez bien soin de vous. Restez chez vous. Et je pense que c'est comme ça qu'on on arrivera à contrer ce foutu virus. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde. Bye bye.